ETB, c'est une vieille dame qui date des années 30. L'entreprise est répartie sur une petite vingtaine de sites dans 6 régions. On a un objectif de développement géographique qui consiste à essayer de couvrir l'intégralité du territoire national. L'entreprise s'est développée grâce à la progression des salariés. Quand un apprenti devient compagnon, quand un compagnon devient chef d'équipe, quand un chef d'équipe devient chef de chantier, et ben on s'est aperçu au fil du temps que ça se traduisait tout naturellement par une progression et un développement de l'entreprise. Cette progression des individus rentre en résonance à la fois dans le monde du bâtiment et des travaux publics et dans le status scope. On a une quantité importante de petits chantiers. Les gens sont souvent seul ou en équipe, et ce qui favorise la responsabilisation, la mise en autonomie, l'implication des salariés. Pour ces thèmes qui nous sont chers, qui sont importants à notre développement, le status scope est vécu comme un atout tout à fait primordial pour l'entreprise. On a d'excellents collaborateurs de l'entreprise, tout simplement, qui nous ont quittés pour des raisons liées à leur projet de vie et à leur projet d'installation dans d'autres régions que la région Île-de-France. On s'est tout simplement dit, c'est bien dommage que l'on n'ait pas participé à ce projet de vie. Dans la volonté de l'entreprise de couvrir l'ensemble du territoire, c'est pour offrir aux collaborateurs de l'entreprise des projets de vie. On a des gens qui viennent de toutes les régions. On se rapproche d'entreprises reconnues dans leur métier, qui ont un vrai savoir-faire ancestral, ce qui a permis, en les rachetant, de les faire perdurer. L'objectif principal est de pérenniser l'emploi et les savoir-faire. L'humain a toujours été une valeur importante de l'entreprise. C'est pourquoi son développement passe par la promotion interne et par le rachat de sociétés ayant une philosophie commune avec la nôtre, c'est-à-dire l'humain comme préoccupation majeure. L'entreprise, pour former 10% de ses salariés en apprentissage, doit avoir 15 ou 20% de maîtres d'apprentissage. Toute la capacité d'adaptation d'entreprise, le dynamisme en matière de développement, est beaucoup lié à cette catégorie de maîtres d'apprentissage. 10% de notre effectif, ce sont des jeunes en contrat d'alternance, principalement en contrat d'apprentissage. Transmettre notre savoir, savoir-faire et savoir-être à nos jeunes, ce sont nos futurs collaborateurs. Le binôme tuteur-apprenti est extrêmement important. Nos apprentis préparent différents diplômes, du CAP, mais ça peut être aussi un diplôme d'ingénieur. 60% de nos apprentis restent dans l'entreprise. Beaucoup chez UTB évoluent, changent de qualification, prennent plus de responsabilités et on y tient beaucoup. On se trouve dans Paris, dans le 16e arrondissement. On est sur un chantier de rénovation d'immeubles typiques haussmanniens avec un brisier en ardoise et un terrasson en zinc naturel. Sur le site, on a une équipe qui varie entre 6-7 personnes. C'est un chantier qui dure à peu près 6 mois. Les particularités sur Paris, c'est qu'on a beaucoup de problèmes pour avoir des places pour installer des cantonnements ou des zones de stockage. Donc pour tout ce qui est manutention, on procède avec des montes matériaux. Sur les brisiers ardoises, on a plutôt des couvreurs qui sont ardoisiers. Ça nécessite un savoir-faire parce qu'on utilise des outils qui permettent de tailler l'ardoise au besoin. Donc il faut quand même avoir une certaine formation pour pouvoir poser ce genre de matériaux. Et pour le zinc, il faut savoir prendre des côtes, des angles, plier, façonner. Là aussi, il faut avoir une formation de couvreur zingueur. On a tendance à fabriquer en atelier les bacs en zinc quand les côtes sont assez standards et répétitifs sur les chantiers. On façonne aussi ce qui est accessoire, comme les pontets, les pattes à tasseaux, les chemises de garantie, tout ce qui permet aux équipes sur place de gagner du temps en production. Nous, UTB, on réalise tout ce qui est travaux de plomberie, chauffage, ventilation pour 313 logements. On réalise de l'ensemble jusqu'à l'appareillage, jusqu'à la mise en chauffe, jusqu'à la livraison au client final. Actuellement, on a 7 personnes, 8 personnes avec l'apprenti qui est là en intermittence avec l'école. Pour un chantier de cette taille, les 15 mois qui nous restent, c'est très court. On est en corrélation complète avec tous les corps d'État. De devoir attendre les autres corps d'État, c'est ce qu'on rencontre sur tous nos chantiers. Depuis l'incorporation avec le gros œuvre et l'électricien jusque l'appareillage, on va attendre après le peintre, le carreleur, le plaquiste en cours de route, la désorganisation par rapport à l'entreprise de gros œuvre qui a changé en cours de route. Nous, on devait malgré tout être présents pour pouvoir avancer les incorporations au fur et à mesure, plus le retard, donc tout ce que ça engendre derrière. En interne, ça a été vraiment la particularité de ce chantier, la difficulté.
le Status Coop, c'est une collectivité de travail pour prendre son destin en main, indépendamment de son modèle économique. Tout en augmentant le nombre de salariés, l'entreprise essaye de conserver un modèle social complet. Je suis arrivé en 1997 et j'étais stagiaire. Mon directeur de l'époque m'a donné ma chance pour travailler en couverture. Et quelques années plus tard, je suis donc directeur opérationnel, donc au comité de direction. La SCOP a cette particularité, c'est un homme, une voix. Elle apprécie que l'ensemble des collaborateurs puissent développer leurs compétences, ce qui a été mon cas. Elle donne sa chance à ceux qui veulent travailler et à ceux qui veulent progresser. Et en cela, ce statut permet à beaucoup de gens de pouvoir en fait s'épanouir dans leur travail. Et je dis bien un travail et pas un job, un travail. Et en plus, la porte est grande ouverte. Notre PDG, on peut discuter avec lui. Et c'est bien d'être SCOP parce qu'on est au courant de tout. Chaque année, on fait un bilan. On est plus motivé et c'est un avantage qu'on a. Il faut essayer de le garder au maximum. La société coopérative UTB, implantée à Romainville en Seine-Saint-Denis, figure à la 44e place du top 50 des groupes indépendants de construction et d'infrastructure. UTB réalise environ 800 chantiers par an. Pour intégrer cette croissance, UTB met en place une politique de recrutement dynamique en favorisant notamment l'accès à l'emploi par la voie de l'alternance. Concernant UTB, il y a vraiment une politique qui trouve sa source dans l'apprentissage et pour tout un ensemble de raisons. La première raison, c'est que le modèle économique de l'entreprise est fondé sur la volonté de faire progresser les individus. Et il y a cette volonté-là, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont parfois un peu sacrifié leur corps social. Nous, il y a une volonté de défendre et d'essayer d'être compétitif avec un corps social complet. Je m'appelle Ryan Varin, j'ai 18 ans, ça fait un peu moins de 6 mois que je suis à UTB. J'ai eu un CAP plomberie l'année dernière. Je suis actuellement en BP chauffage. Ça se passe très bien avec mon maître d'apprentissage. Il a plus de temps pour moi qu'on est déjà plusieurs dans la société. Alors qu'avant, mon patron il était seul et du coup, il pensait plus à faire tourner sa boîte qu'à m'apprendre. Là, on est plusieurs, donc il a plus le temps de m'apprendre le métier, quoi. L'apprentissage et UTB, c'est une très longue histoire qui a commencé il y a très longtemps et qui s'est accentuée au fil des années et qui est un véritable projet d'entreprise chaque année. Nous associons tous les salariés au recrutement des apprentis parce que nous considérons que quel que soit le service, le métier, il doit y avoir des jeunes en apprentissage. Je viens du Cameroun. Je suis en France depuis 2018 et du coup je suis formateur en CAP couverture chez UTB. Je suis tombé sur un bon maître d'apprentissage. Cela m'a permis d'apprendre facilement le métier. Et ce qui me plaît dans mon métier, c'est l'art de façonner le zinc et poser les ardoises. Et du coup, à la fin du travail, tu as quelque chose que tu regardes, tu vois, ça te plaît, donc c'est ça qui fait l'art de mon métier. Depuis plus de 15 ans, nous avons toujours plus de 10% de jeunes qui sont en apprentissage dans notre effectif. Le fait d'être une SCOP favorise la politique d'apprentissage car nous pouvons y trouver un lien entre notre statut juridique, où ce sont les salariés qui sont associés au capital, parce que la valeur de la transmission est très importante. Et quand on prend des apprentis, la clé de la réussite, c'est justement transmettre notre métier à ces jeunes qui sont là pour apprendre. La première édition de la semaine de l'entreprise coopérative BTP se déroule du 29 mars au 2 avril. Initiée par le 3CA BTP en partenariat avec la Fédération des SCOP du BTP, cet événement vise à promouvoir le modèle coopératif auprès des apprentis en formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. UTB,
installée en Seine-Saint-Denis, est l'une des SCOP les plus importantes du secteur du BTP. Une SCOP, en quelques mots, ce sont des entreprises qui sont issues de tout un certain nombre de courants de la fin du 19e siècle et qui avaient pour objectif de faire en sorte que les gens mettent en commun leur puissance de travail pour exercer ensemble leur métier. Puis petit à petit, cette chose-là s'est structurée juridiquement. Et aujourd'hui, les SCOP sont des entreprises dont les salariés assurent la gouvernance. Ils sont majoritaires à la fois en capital et en voix. Il y a un principe républicain qui est très fort, qui est un peu issu de la Troisième République et qui fait qu'en assemblée, chaque associé de l'entreprise a le même poids et on appelle ça le principe d'une personne, une voix. Alors je suis chez UTB depuis 10 ans et je suis sociétaire depuis 8 ans. La société, c'est un peu la nôtre. C'est la société qu'on a envie de faire évoluer, c'est pas que le chantier, c'est tout. Une SCOP, on est au courant de tout, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien. Qu'il faut essayer de dynamiser un petit peu plus les équipes pour essayer que la fin d'année soit meilleure. La SCOP, du coup, la première chose, c'est que du coup, nous sommes tous titulaires d'une part dans l'entreprise. Ça, c'est vachement important. Du coup, on travaille aussi pour soi. C'est vraiment une entreprise à sa grandeur, mais familiale. Tous les matins, je me lève avec cette motivation-là parce que je travaille pour moi aussi. D'une manière générale, on a une particularité de nous autres SCOP du BTP, c'est qu'en fait on est à la confluence entre deux mondes qui se complètent finalement assez bien. Le monde du bâtiment et des travaux publics est un monde dont les relations sont très fondées sur la confiance et la responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que souvent sur les chantiers, les compagnons, donc ceux qui font, le font en autonomie et le font en pleine responsabilité et puis en pleine possession des savoir-faire de l'entreprise.